Vous êtes sur RTL. Avec nous, Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de la chaîne musicale Mélodie et spécialiste de la chanson française. Bonjour. Bonjour. Essayons d'être le plus clair possible. 1 million de disques du dernier album de Johnny ont donc déjà été vendus. Ça représente combien en royalties ? Alors, il faut distinguer les royalties et les droits d'auteur. Les royalties, c'est le chanteur, c'est la voix qui les touche. Les droits d'auteur, ce sont les gens qui écrivent les chansons. Ouais. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, dans ce cas-là, on parle bien de royalties. On raconte que Johnny avait un super contrat de chanteur de l'ordre de 20-25% de droits sur le prix de vente hors taxe et hors marge distribution d'un disque. C'est un peu compliqué, hein. Mais bon, un disque, en gros, c'est 17€ dans les magasins. En hors taxe et hors marge, ça fait sur 10€, il touchait 25% de 10€, c'est assez facile à calculer, hein. Ça fait 2,50€ par disque, multiplié par 1 million, vous arrivez à 2 500 000, on estime que c'est la somme qui est en jeu au chapitre des royautés. Royautés, c'est pareil. C'est un régime un petit peu particulier, ils sont nombreux les chanteurs dans notre pays à toucher 20 à 25% sur le prix des ventes ou c'est vraiment un cas unique? Il faut savoir que Johnny, dans les années 60, à l'époque Yéyé, il devait toucher 3 ou 5%. C'était la moyenne de l'époque. Après, elle a un peu grimpé à 8-10%. Mais 25%, c'est vraiment énorme pour un artiste de maison de disque. Après, il y a des contrats où les artistes deviennent producteurs, mais c'est autre chose. Johnny, en tant qu'artiste, toucher 20-25%, c'est un record. Un des nombreux records que Johnny a. Et on dit aussi qu'il touchait une partie des droits d'auteur. Vous confirmez ? Oui, c'est vrai que ça, c'est l'autre volet, c'est-à-dire que le volet SACEM, d'abord, il y a d'abord deux autres volets, il y a le volet SACEM, le volet Adami, et l'Adami, ce sont des droits pour les interprètes, quand ils passent à la télé, ils touchent de l'argent parce qu'on voit leur visage, mais les droits SACEM, ce, je vous l'ai dit, ce sont pour les auteurs et les compositeurs, et aussi les éditeurs de musique. C'est là où est la subtilité, c'est que Johnny était éditeur de pas mal de ses chansons, il avait une part d'édition, donc ça rajoute encore de l'argent sur les ventes du dernier album et ce qu'on veut bloquer aujourd'hui, c'est non seulement les royautés sur ce dernier album, mais c'est aussi les royautés sur toutes les futures rééditions, parce que Johnny, on va continuer à vendre, oui, et l'Idole beaucoup, des oui. jeunes et le pénitencier, ça va continuer à se vendre en compile, en best-of, etc. Les avocats de David et Laura ont donc fait un recours pour le gel des royalties. Ce recours devrait être examiné rapidement par les juges le 27 novembre. Est-ce qu'à votre avis, ils ont des chances d'obtenir gain de cause? Oui, c'est vrai qu'on avait été étonné en janvier que cette partie-là ne soit pas déjà dans la première assignation. On avait tous été étonnés, nous les gens qui suivons ça de près. Que c'est pas déjà été gelé. Alors vous disiez tout à l'heure que les maisons de disques avaient devancé la peine. Elles ne versaient plus rien, disait Dr. Voilà, Thomas c'est ça. Proutot, en attendant. Ça, j'en ai aucune preuve, mais en tout cas, c'est vrai que c'était prudent, mais en tout cas, rien ne vaut une décision de justice, et je pense que le référé, vous savez, c'est bloqué provisoirement en attendant un procès, en attendant, c'est comme les droits SACEM qui sont bloqués depuis janvier, c'est comme les droits Adami qui sont bloqués depuis janvier, on attend une vraie décision de justice, un procès en France ou aux USA, donc l'histoire est encore longue. Elle est loin d'être terminée, en tout cas. Merci Jean-Pierre Pasqualini de la chaîne musicale Mélodie. Merci d'avoir été notre invité.